Maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Voilà. Nagui. Enfin, moi, j'admire. Vraiment, je... Enfin, vous faites quand même partie de France 2. C'est une chaîne dont je salue les choix stratégiques. Non, taratata, c'était bien. Hein. C'était bien, mais franchement... Un duo entre David Bowie et Placebo, ça a quand même vachement moins de classe qu'un live de Sophia Aram, quoi. Non, parce que cette année, France 2, en termes de programmation, ça met une claque à tout le monde, quoi. Surtout à ses animateurs maison, c'est BAM, quoi, tu vois, c'est... Enfin, Sophia, c'est plus une claque, c'est une lapidation, quoi. C'est... Moi, je savais pas qu'Al-Qaïda produisait des émissions, quoi, c'était... Cela dit, je trouve très courageux de bosser pour le service public. Vraiment. Être soumis à la loi de l'audimat tout en ayant les salaires de la fonction publique. Alors, je ne vais pas parler que de la télévision, parce qu'on a aussi des invités. Enfin, on a la chance d'avoir Marie Noël ce soir sur le plateau. Je suis votre champion, là, le président, là, le camarade social-démocratovitch. Non mais en fait, il s'en fout un peu de vos demandes, hein, j'ai l'impression. Enfin, il a mis Montebourg pour faire le cake devant les chaînes de montage, mais enfin, bon, tu vois. Si un moulin avant savait relancer le pouvoir d'achat, ça saurait, quoi, je veux dire. Et j'ai suivi l'intervention du camarade Hollande. Alors dimanche, il a découvert que la France souffrait d'un ras-le-bol fiscal. Il est incroyable, lui, hein. Tu sais, c'est comme un chirurgien qui opère sans anesthésie. Il va voir le patient, lui dit, putain, ça a dû faire mal, hein. Alors, le plus inquiétant, si vous voulez, c'est que moi, je comprends pas ce qu'il dit. Enfin, autant avant les élections, bon, je comprenais. L'ennemi, c'est la finance, j'aime pas les riches, Sarkozy, les méchants. Ça me parle, j'acquiesce. Enfin, yeah, you know, just like, you know. Mais là, c'est devenu le Gérard Majax du brouillard fiscal, quoi. Moi, c'est la transfiguration, le discours de Taddeï dans le corps de Cyril Hanouna, quoi. Alors, non, mais... Les gens, ils l'alpaguent. « Ouais, mais Monsieur Hollande, mon pouvoir d'achat. » Alors lui, il est là, il répond. « J'ai entendu cette préoccupation et je veux y apporter une réponse. Sur la fiscalité, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'avec la décote du crédit d'impôt, dans l'hypothèse où on augmente la CSG de 2%, là, on va prendre 1,99 pour pas compliquer, et en tenant compte d'une croissance de la dépense publique gelée dans son point d'indice, de façon à ce qu'elle dépasse pas le plafond supérieur du barème, il sera rétrocédé à tous les contribuables, je dis bien à tous les contribuables, c'est-à-dire même ceux dont le quotient familial représente un delta de 12, si on prend pour référentiel le temps de maturation d'une fine de Claire numéro 6, il sera rétrocédé le quart de l'impôt qui devait être perçu sur une moyenne des 5 dernières années. Voilà. C'est exactement ça. Alors, non, mais, et bien sûr, je le dis, dans une hypothèse d'inflation à 1,456% mensualisée, c'est-à-dire, pour simplifier, racine carrée de pi. Alors, l'autre qui est mort, mais ça veut dire quoi pour ma retraite? Pour la retraite, c'est pareil. Bon, c'est simple. L'allongement de la durée de cotisation qui va être compensé par un compte pénibilité indexé sur le tiers payant de votre mutuelle, calculé sur un base du prix au détail de la côte de porc ou du radis, selon la saison. Car je veux aussi tenir compte des difficultés que connaissent nos exportateurs de Pont-l'Évêque. Enfin, moi, je l'entends parler et je me dis, mais là, en fait, il vient de mettre de la vaseline ou pas? Non, mais je pense que s'il n'y a pas de contestation sociale violente en ce moment, c'est pas parce que les réformes sont bonnes, hein, mais c'est parce que personne ne les comprend. Ouais. Bling Bling is back. Ah. Oui, ah. L'indécence est de retour en France. Qui sont les Français? Qui sont les Français? C'est la crise et les gens se mobilisent pour un bijoutier. Moi, ce qui m'impressionne chez les braqueurs de bijoutiers, c'est leur rapidité pour choisir les bijoux. Ah oui. Ils savent tout de suite ce qu'ils veulent. Oui.
Tu vois, moi, une fois, j'ai regardé un braquage, j'ai dit à ma copine, vas-y, prends de la graine, quoi, franchement. Après, on dit que le type, c'est un récidiviste. On le sait bien, le goût des belles choses, ça se construit pas en une nuit. Ouais. Alors, évidemment, la famille du braqueur dit qu'elle a confiance en la justice. Tu m'étonnes, quoi. C'est normal, après 14 récidives, toujours en liberté. Non, mais... Il y a beaucoup d'ineptie sur ce sujet, beaucoup. On dit que c'est un truc réactionnaire, 1,5 million de personnes qui like. Oui. C'est quand même vachement rare que des réseaux d'extrême droite soutiennent un mec qui s'appelle Turc. Hein. Ce qui est inquiétant, c'est que 1,5 million de likes, en une semaine, ça va donner des idées de buzz à certains, quoi. Il paraît que depuis le phénomène des bijouteries, dans le sud-ouest, on a déjà vu François Bayrou rôder près des bijouteries, tu vois. Dassault. Ah. Alors, il a acheté les voix des gens pour se faire élire à Corbeil-Essonne. Il faut comprendre aussi, à son âge, il tente le tout pour le tout. Se faire élire maire de Corbeil et essayer de faire acheter des rafales à sa police municipale. Voilà. Il y a un bras de marne, on met un porte-avions, c'est bon, c'est calé, quoi. Déplacement. Cahuzac veut qu'on lui rembourse ses frais de déplacement pour les auditions de la commission des finances. Ah bah oui. Un billet de train plein d'essence, il est con aussi, quoi. Il aurait refusé de venir. Il aurait eu un transport gratuit, voiture, sirène, escorte et tout le toutim. Plein air. Perpignan. Un peu dessus, le soleil. Il enlève son ex-compagne, là-bas, l'enterre, et se dénonce. C'est un peu con. Hein. Franchement, il aurait commencé par la fin, il avait l'après-midi libre pour faire de la planche à voile. Alors, on va terminer par la bonne nouvelle, parce qu'il faut quand même mettre de l'espoir et de la confiance. Parce que sans ça, il n'y a pas de croissance. DSK a retrouvé un job. Il va conseiller le gouvernement serbe pour redresser la situation économique locale. Alors, ça n'a pas dû être très difficile de le convaincre. On lui a dit, venez ici, c'est un grand bordel. Alors, pas belle la vie ? C'est tout cas, je parcours. Que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h15, sur Canal Plus Décalé. Et bien sûr... sur canalplus.fr. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.